Ah bah bravo! Bravo! Moi cette semaine j'ai attendu le remaniement pour voir si Philippe Candeloro allait être ministre de la Culture. Et qu'est-ce que j'apprends? Un restaurant de raclette à volonté vient d'ouvrir à Balmagramont, près de Toulouse. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Alors oui, certains diront mi-octobre, c'est encore un peu tôt pour la saison de la raclette. Mais bon, ça s'est rafraîchi, non? En Bretagne, ils ont de la chance, ils peuvent commencer en août. Puis une raclette, ça peut se manger n'importe où. Jambon? Check. Fromage? Check. Appareil? Check. Où est-ce que je peux brancher ça? Ah. Et puis selon où t'habites, chacun sa façon de faire la raclette. À Perpignan, c'est servi avec des petites tranches de hérisson. Dans le Gard, ils remplacent le fromage par du vin rouge, essentiellement. En Lozère, c'est la raclette à la bougie, rapport à l'électricité. La raclette bordelaise, c'est une raclette végane à base de feuilles et de pissenlit. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Autre actu, au sud de l'Aveyron, sur l'A75, un routier perd le contrôle de son camion qui s'est couché sur le côté, déversant des centaines de bouteilles de whisky. Ok, bien monsieur. Et Caffarelli, ouais. Il y a combien de whisky qui s'est renversé sur la route là? Attends, non, mais on a une vieille qui veut sauter du viaduc de Millau là. Caffarelli, du whisky, gratos. Et priorité quoi. Ouais, t'as raison. Il y a des questions qui reviennent. Le fromage, on le mange avec ou sans la croûte? La rosette, ça sert à quoi? Il en reste toujours à la fin. Le fromage, sur la pomme de terre ou à côté? Ça se fait de manger une raclette quand t'es un groupe de 1? Est-ce qu'en 2018, on a encore le droit de faire cette vanne? Eh les gars, regardez, c'est une raclette de ping-pong. Un conducteur de retour d'Andorre s'est fait choper à la douane avec 322 litres d'alcool et 44 cartouches de tabac. 44 cartouches en une fois! C'est plus que Clara Morgan en toute une carrière. C'était un Parisien. Moi j'ai rien contre les Parisiens, ça m'arrive aussi de faire la gueule. En même temps, le mec il est écolo, hein, il a fait qu'un voyage. Ouais, c'est pas faux. Oh et merci pour le partage de la dernière vidéo sur le code de la route. 140 000 vues. Ma mère était contente. Hein. Elle vous embrasse tous.